Good morning, allez Yiden, le Tisra aujourd'hui, le Nishman Dixemen Aouda, Sarah Batrana Rachel, Rachel Rachel Bat Sarah, ainsi que le Fouat Ari Akiva Ben Shachar, Rafael Zulun Ben Chaya Amalia, et Shlomo Ben Esther, Bestor, Char, Cholé Israël. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le Seigneur éternel, nous étudions Maserhat Avot, Perkei Mishnah Yudzein. Kol Machloket Shehi Leshem Shamaim, Sofa Leitkayem, Vesheena Leshem Shamaim, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. On commence par traduire. כל מחלוקת, toute discussion, toute discorde, toute dispute, conflit, שהיא לשם שמיים, où les deux parties sont engagées, לשם שמיים, en l'honneur d'Hachem. Alors, סופה להתקיים, là, littéralement, sa fin est de se maintenir. C'est-à-dire, ça peut être interprété de deux manières, ça est rapporté dans le Bar Tanoura, c'est que, soit, premièrement, puisqu'il y a deux parties, que chacun il est motivé par le émet, par la vérité, alors tout simplement, les deux parties continueront à perdurer, peut-être en discussion ou non, mais chacun, parce qu'il a, hein, il est ému, par un désir de faire la volonté d'Hachem, il est persuadé que c'est ce qu'Hachem veut de moi à cet instant-là. Pour le moment, il me demande de dire que ça, c'est kasher. Et l'autre, il est à l'inverse. Bien sûr, on a tous des manières de concevoir différents. Lui, il est persuadé que ce qu'il lui demande d'Hachem de dire, c'est que ça, c'est assour, c'est interdit. Et l'autre, il dit que c'est permis, mais chacun, il est l'Hachem Shamaim. Alors, il faut savoir que dans ce cas-là, les deux parties continueront à vivre bien Be'ezrat Hachem, à la différence d'une machloket que Veshe'ena l'Eshem Shamaim, tandis qu'une machloket qui n'est pas l'Eshem Shamaim, En Sofa l'Itkayem, ça ne perdurera pas éternellement. Il y aura un moment où Hachem dira, allez, basta, on arrête là, comme ce qui s'est passé justement avec Korach Vadato, comme la Mishnah nous le dit. Et la Mishnah a interprété, Eizoi machloket Shehi l'Eshem Shamaim. Quelle est donc une machloket qui est l'Eshem Shamaim? Eh bien, Zof machloket Hillel Veshamaï. C'est la machloket qu'on rencontre dans toute la Torah, dans toute la Mishnah, où il y a Hillel et Shammai qui étaient en discussion, ou même tous les Tanaïm en réalité, on a pris Hillel et Shammai particulièrement, à quelques raisons, on ne va pas trop... pour différencier de Bet Hillel et Bet Shammai en fait. Parce que Hillel et Shammai c'était les deux grands maîtres, et eux, ils ont eu quelques petites discussions dans le chasse, et malgré tout, ils avaient un grand amour, une grande estime l'un pour l'autre. Seulement chacun, il a dit ce qu'il a dit, et finalement, on continue jusqu'à aujourd'hui à perpétuer les enseignements de Hillel et les enseignements de Shammai. Il y avait des yeshivot de Bet Hillel, des yeshivot de Bet Shammai, et ça a perduré sans qu'aucun des deux parties, finalement, sans que le ciel ne châtie aucun des deux parties, puisqu'en fait, ils sont là pour faire la volonté d'Hachem. Tandis que Veshena l'Hachem Shammai, une discorde qui n'est pas l'Hachem Shammai, qui n'est pas là pour l'honneur d'Hachem, où finalement, un des deux parties, il est mu par un désir de dominer, de prendre le jeu de pouvoir, d'honneur. Alors, dans ce cas-là, Zo Machloket Korach Vechol Adato, c'est la Machloket, c'est ça, l'exemple type, c'est l'exemple de la Machloket, la discussion qu'il y a eu, la discorde qu'il y a eu entre Korach et toute son assemblée. Vous savez bien, il y avait Korach, qui avec Datan et Aviram, ils ont motivé 250. Personnes importantes du peuple, qui avaient différentes fonctions, et ils sont venus, ils les ont montés contre Moshe Rabbeinu, et finalement, donc il y a une discussion, regardez, il y a une discussion faite entre Korach et son assemblée et Moshe Rabbeinu, mais la Mishnah, elle n'a même pas dit qu'il y avait une discussion entre eux et Moshe, il y avait une discussion même entre eux, même entre Korach et Adato, et son assemblée. Pourquoi? Parce que finalement, il y avait un seul qui devait être désigné en Kohen Gadol, et tous les autres seraient morts. Ça signifie qu'on avait en fait 253 personnes qui étaient là, en train de se plaindre. Pourquoi c'est Aaron le Kohen Gadol? Apparemment, eux, ils forment un grand parti, mais en fait, ils ne forment aucun parti, puisqu'ils vont tous, 252 vont mourir, et un seul va vivre. Ouais, et finalement, il s'est passé que les 253 sont morts. Ça, c'est l'exemple type d'une marloquette qui n'est pas l'Hachem Shamaïm, et que finalement, vient le moment où Hachem, il a dit, allez, j'en ai marre de vos disputes, on efface une partie du... donc tous les balais machloket. Ça, c'est une première manière d'interpréter la Mishnah. Deuxième manière d'interpréter est que Sofa l'Itkayem, on ne fait plus allusion aux deux parties qui vont continuer à perdurer, mais plutôt, on fait allusion à quelque chose d'encore plus raffiné, en disant que finalement, les deux parties vont arriver à une entente. Et les deux parties vont continuer ensuite à vivre en harmonie entre eux avec l'entente. Puisque chacun est motivé par son désir de émet, de vérité, de faire la volonté d'Hachem sur terre. Alors de ce fait, moi pour le moment j'estime que ça c'est bien,
et l'autre, il estime que ça, c'est pas bien. Mais moi, je suis persuadé que c'est ça la volonté d'Hachem. Et l'autre, il est persuadé que la volonté d'Hachem, c'est ça. Alors, du coup, on va se mettre sans arrêt à discuter pour l'honneur d'Hachem, pour dévoiler le Emet, la vérité. Et qu'est-ce qu'on va gagner par là? On va gagner que finalement, on va arriver à trouver une entente. Ce que je disais, soit on va finalement, je vais moi-même changer d'avis parce qu'il va réussir à me convaincre, parce que je ne suis pas motivé par un désir de pouvoir ou d'avoir raison, pas forcément, pas du tout. Je cherche la volonté d'Hachem. Donc tu m'as prouvé, tu m'as prouvé. On va continuer à chercher à mieux éclaircir, mieux vérifier, jusqu'à qu'on va arriver à une conclusion nette, franche, belle et juste. Et donc de ce fait, sofa l'itkayem, l'aboutissement de cette discussion sera forcément d'avoir, de perpétuer la Torah. À la différence d'une marquette qui n'est pas l'Hachem Shamaim, où finalement chacun est motivé par son désir de pouvoir, on s'en sortira jamais, jusqu'à que justement, du ciel, du shalom, le ciel intervienne pour finir comme ça s'est fini avec la marloquette de Korach et Adato. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.